Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Épisode 2 de mon coffre égyptien. On continue, tout simplement. Bon, là, mon coffre est à peu près assemblé. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire de la sculpture sur cette face-là. Les autres faces, j'ai d'autres projets. Mais je vais me lancer un petit peu dans la sculpture pour voir ce que ça donne. J'en ai jamais trop fait, mais on va voir. Là, j'ai reporté le dessin et je vais commencer à sculpter. J'ai déjà commencé un peu, en fait. On va continuer. Allons-y. Là, j'ai plein de petits couteaux pour sculpter. Bon, voilà ce que ça donne une fois presque fini. Bon, en gros c'est pas trop mal, mais bon, on voit les coups de ciseaux, bon, on voit bien que c'est du travail d'amateur, hein. Ça c'est sûr que quand je vois l'original, ça n'a rien à voir, hein. Mais bon, faut bien essayer, hein. Un jour j'y arriverai peut-être. En fait, il faut que je recoupe l'épaisseur d'une planche pour que ce soit harmonieux.
moments later. Moi je vous explique, pour faire le tour du coffre au-dessus, j'ai besoin de faire une corniche. Pour faire la corniche, c'est un arrondi simple. Je vais le faire avec la scie circulaire. J'ai vu j'ai pris toutes mes précautions, j'ai bien fixé deux bonnes planches de chaque côté. J'ai fait un premier essai. Je l'ai passé vraiment minimum. Ça marche pas mal, donc je vais continuer jusqu'à avoir creusé un arrondi sur toute la profondeur. Et à la fin, je le scierai en deux, j'aurai donc deux corniches. Je vais le faire sur deux planches différentes. Et là, j'aurai suffisamment de corniches faites pour faire tout le tour de mon coffre. Et ben on y va, on attaque et on fait attention parce que c'est dangereux quand même.